That is not good. What's going on? Power's gone. Whole electrical system looks fried. Shit! What's happening? No power means we're going down. Hold tight. Will? I would eat anything right now. Faut qu'elle gueule plus, moi je trouve ça drôle à chaque fois. I could eat anything right now. Ok, désolé. je sais pas, mais il y a un truc que j'aime bien dans sa voix. L'intonation et le fait qu'elle s'énerve la plupart du temps. En tout cas, nous avons 36 kilos, c'est très bien. Car nous allons mettre un terme à la relation qu'on a avec cette corde très très prochainement. On est bon. On a un peu récupéré de vie, comme on peut le voir. Je suis assez content. C'est potable. On est à 43%. J'allais dire 83. Ça serait bien qu'on ait 83, mais c'est 43. Nous avons du charbon. Ça, c'est du charbon pour faire du dessin. Ça, on s'en tape. On a un charbon ici. On va... Le temps... Le problème, c'est que... Quand on va récupérer le charbon qui est dans la mine, on va faire... On va récupérer au moins 5 kilos de charbon, en fait. Ça va aller vite. Ça, c'est un petit problème. Mais bon, en tout cas, on est en pleine nuit. On est en pleine forme. Donc, je pense qu'on va tout simplement partir maintenant. Et nous allons, comme j'ai dit, passer par la mine. Le chemin est très proche. En 2 minutes, on devrait y arriver à la mine. Hein. Donc, il n'y a pas trop de problème. Je pense qu'il y a très peu de chances qu'on se perde. J'espère qu'on a une bonne visibilité, par contre. Ça va, fais voir un peu, ça va, fait froid, mais ça va. Alors je retire ce que je viens de dire, la visibilité c'est de la merde. Oh la vache. Déjà je me gourde de sens, parce que là je repartais en fait. Non, faut pas repartir. Il faut aller là-bas en face. Putain, oh la vache, on voit que dalle. Oh, ça fait chier. C'est pas la joie. C'est pas la joie. Alors la bonne chose c'est qu'on a une lampe. Alors si vous comptez... Alors un truc qui est bien c'est qu'on peut suivre complètement la route en fait. Parce que la route arrive à un certain... Quoique non, on va pas le faire. Non. Mais, enfin quoique si, on va le faire. Oh putain. Ok. Restons calmes, rassemblons nos pensées et concentrons-nous. Ok, nous concentrons. On va continuer la route, puis à un moment on va bifurquer à droite. J'arrive même plus à parler. Bifurquer à droite. Et à droite, il devrait avoir un petit chemin. Et ce petit chemin va nous mener à la mine en question. Et ce que je voulais dire, c'est à la mine, n'y allez surtout pas si vous n'avez pas... de moyens de lumière, de projection lumineuse. Donc, il y a la lampe. Nous, on a une lampe, donc ça, c'est bien. Ça, c'est cool, parce que quand on va arriver à l'autoroute, on va pouvoir tout simplement pêcher, récupérer du fuel, en fait, pour la lampe. Donc, ça va, on peut l'utiliser, la lampe, c'est ce que je dis. Ayez du feu, de quoi faire du feu. Comme ça, vous pouvez faire des torches. Ayez plusieurs torches sur vous, comme ça vous balancez une torche au sol, vous en prenez une autre dans votre inventaire et vous l'allumez et vous faites un train de torches comme ça. Parce que la mine est grande, attention, la mine c'est pas de la merde, mais la mine elle est grande celle-là. Donc vous pouvez faire ça, c'est bien. Après il y a les fusées éclairantes, ça je déconseille de les utiliser, c'est mieux de les utiliser en fait quand vous vous défendez contre des loups, des trucs comme ça ou des ours. Enfin quoi, donc si vous êtes aussi proche d'un ours avec une fusée éclairante, je crois que le ours il va rigoler quoi. Voilà, c'est ça, c'est le chemin. Je sais, ça ressemble pas trop à un chemin, mais ça c'est le chemin qui bifurque. Hein, on voit un peu une petite route. Putain, on voit que dalle, c'est chaud. Mais en tout cas, voilà, c'est le chemin qu'il faut prendre. Alors moi, j'essaye de pas trop rester à l'intérieur du chemin parce que en fait, on voit pas grand chose sur les côtés.
Ah là bah, faut que je me... Ouais, je vais me bouger un peu le cul parce que là, ça va être horrible. Parce qu'en fait, on peut rien voir. Ah, là, il y a des champignons. Par contre... Putain, oh la vache. Ouais, il y a quelques champignons à récupérer sur le chemin, mais bon. Ça fait perdre du temps, tout ça. Donc, bougez votre cul, quoi. On a Monsieur Hibou qui nous cherche. Qu'est-ce que c'est qui bouge? Non, c'est rien, ok. Ok, par contre, là, je suis perdu. C'est bien. Parce qu'il y a un moment, il faut bifurquer sur la gauche. En fait, les chemins deviennent de plus en plus légers. Donc, c'est très facile de se paumer, surtout la nuit, comme ce que je fais. Mais si vous restez un peu vers la gauche... Ok, il y a un rocher là, donc on va continuer par là. La musique s'installe. Oh merde. Oh merde. Où est-ce qu'on est ? Nous sommes perdus. Va-t-on mourir ? Va-t-on mourir dans ce froid éternel? Va-t-on retrouver notre corps? Ou allons-nous être mangés par un loup? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Est-ce la fin d'Esmeralda Torres? Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? J'en ai bien peur. Esmeralda, je suis désolé. J'ai essayé pourtant. J'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux. Mais je crois que j'ai échoué. Adieu. Ou pas. Non, c'est bon. On est sur la bonne route. C'est bon. On a un poteau là, ça indique qu'il y a la mine. Voilà. Non, c'est bon, on est bon. Nous avons la mine, elle est juste là. Tout est bon. Et il fait chaud. Voilà, il fait chaud, faut, hein, façon de parler comme d'habitude. Hein. Putain, on a 50% de gel. On a un temps froid, notre vie est descendue à 27%, ce qui est très mauvais. Nous avons... Putain, on a pas à manger, tu vois. Dans mes souvenirs, nous avions à manger. Alors, nous allons utiliser la lampe parce que nous allons... on a du coal, ça on le garde. Car nous allons pouvoir en faire du fuel, donc c'est pas très très grave. Comme j'ai dit. En tout cas, après, ça dépend de votre inventaire, surtout. Alors, une chose que je vous conseille, c'est de prendre tout... Merde, d'abord de l'autre côté. C'est de prendre tout le charbon sur le chemin. Et après, vous en déposez un peu à la sortie, avant de sortir, en fait, de la mine. Comme ça, au moins, vous savez où est le charbon. Que ça soit... à l'entrée ou à la sortie, bah du coup il y a tout le charbon qui est réuni à un emplacement, donc c'est plus facile pour vous plus tard de revenir et de le récupérer, vous voyez ce que je veux dire? Donc faites ça, moi en tout cas, oh, merci mon Dieu, en tout cas moi c'est ce que je fais. Merde, je me suis bloqué comme un con.
Moi j'essaye toujours de récupérer beaucoup de charbon parce que après là on va voir déjà notre poids. On est déjà à 40 kilos hein, et on a on est à peine dans la mine depuis 2 secondes. Hein. On n'a pas fait le tour encore. Elle a raison, elle peut à peine courir. Elle peut à peine marcher. Tiens, c'est la première fois que je trouve une torche ici. Je crois que même j'en ai trop pris en fait du charbon. Bon, on va peut-être pas exagérer non plus, je crois qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter d'en récupérer. On en a combien? Il en faut une dizaine en fait sur nous. On en a 18, ça va. On va en prendre 2, puis après on va en balancer 10. Voilà. Parce que le plus de temps que vous mettez à franchir, à traverser cette mine, bien sûr, évidemment, votre source lumineuse baisse, hein, est logique, hein, évidemment. Ok, ça c'est bien du fer, il va nous falloir beaucoup de fer comme je l'avais expliqué. Il va nous falloir au moins une... Oh, une scie, parfait. Ça, la scie, c'est bien. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup passer par la mine. La mine, il y a énormément de chance. Je dirais pas 100% parce que je pense pas que c'est 100%. Mais il y a un taux de chance énorme de récupérer une scie. Et la scie, c'est très très utile. Surtout, comme je vous ai dit, parce qu'à un moment, quand on va partir pour... Ah non, c'est ça que j'aurais dû manger. On va le manger. Quand on va partir pour créer nos outils, il va nous falloir du fer. Des morceaux de ferraille, et c'est ça l'important. Et la scie, ça vous permet de scier les étagères, scier les poêles dans les maisons. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est le truc parfait. Donc cette mine est très importante. En tout cas, moi, pour mes survies en intrus, surtout, je trouve que cette mine est très très bien. Regardez là, vous avez vu qu'on a pas fait grand chose, on vient de se lever il y a genre quoi, 10 minutes, même pas, un truc comme ça, et regardez la... comment elle est fatiguée déjà, Torres. Ça c'est à cause du poids ça. Alors après on va avoir possiblement un problème, c'est par rapport à la corde, il faut qu'on soit en dessous des 30 kilos. Pour prendre la corde, rappelez-vous ça. Rappelez-vous de ça. Donc, quand on va sortir de la grotte, il faut au moins qu'on soit à 35 kilos. Parce que la corde fait 5. Donc elle, on va la fixer, l'utiliser. Et après, on pourra la prendre. Waouh, 2. Oh, un jerrycan. Oh mon dieu. Ça, le jerrycan, ça c'est top, ça. Un truc qui est bien, c'est que le jerrycan... va pouvoir... Oh putain, je sais plus par contre. Va pouvoir emmagasiner toute l'essence. Parce que c'est un jerrycan d'essence, évidemment. Et du coup, ça vous prend moins de place dans l'inventaire, je crois bien. Je crois que le jerrycan est moins lourd quand il est plein que si vous avez le même équivalent d'essence pour la lampe, par exemple. Parce que ça marche avec la lampe. Hein. Si vous avez le même... Le même poids d'essence en petites bouteilles. Je crois que quand c'est des petites bouteilles, elles sont plus lourdes. Je suis pas sûr. On vérifiera un jour ou l'autre, quand on pourra. Mais je pense que c'est plus lourd d'avoir plein de petites bouteilles qu'un jerrycan d'essence plein. Ok, on est à la fin, là. On est à la fin. Putain, comment elle met du temps, hein. Donc là on récupère ça. Oh la vache. Oh la vache. Ça c'est le plus rapide. Oh putain, c'est chaud. Non, c'est parce qu'on est à la fin, donc c'est pas grave. Ah, je suis très très contente de mes trouvailles. Il y a un embranchement qu'on n'a pas fait. Il y a un embranchement qu'on n'a pas fait. Je vais voir si on peut pas le faire vite fait. On va d'abord déposer ça.
14 donc. Je vais faire jeter 14. Oh, le jerrycan, il est plein. Mais putain, sérieux, ça c'est la chance. Ça c'est cool. Ok, parfait. On est encore à 45 kilos. On a 10 kilos de trop, c'est chaud. Normalement, on va se débrouiller, il n'y a pas de problème. Avant de partir, je veux... Je veux vérifier l'autre endroit. Ce qu'on peut faire aussi, c'est faire des allers-retours, si vous pouvez vous... Je crois que c'est là que je suis pas allé. Parce que des fois, il y a des objets au bout. Ah, on vient d'ici, ça va. Si vous pouvez vous permettre de faire ça, récupérer encore un peu de charbon et le ramener encore une fois au début de la mine. Et après, si vous êtes vraiment trop lourd, du genre que... Parce que là, franchement, on est vraiment trop lourd. On est encore à plus de 40 kilos, je crois. Oh, il y a une aurore boréale. Oh, mon Dieu, ça, c'est pas bon, ça, par contre. Laissez... Putain, j'ai cru qu'il y avait quelque chose derrière moi. C'est pas possible d'avoir quelque chose. Laissez à la limite tout le charbon. Et quand on ira faire nos... Putain, ça me fout les boules. Quand on ira faire nos... Oh la vache, j'aime pas cette couleur. Faire nos emplettes, enfin faire notre... notre truc, comme je disais là, nos couteaux et tout ça, on viendra ici et on les fera. Et on récupérera le charbon. Ça m'a perturbé là. Voilà, là on en a au moins plus de 20 au sol, ça c'est très bien. On est à combien? On est à 45 kilos. Ça va être chaud. Ça va être chaud, j'ai un peu peur que ça parte en couille, mais on va voir. Allez, c'est parti. On se baisse et on quitte. Et nous y sommes. Autoroute côtière. Ok, on y va. On y va, on y va. D'abord on va... J'aurais dû le faire avant. J'aurais dû le faire avant de sortir de la... De la truc. Parce que je veux pas perdre plus de vie parce que sinon on va en crever. Ok, donc nous sortons d'ici. J'ai légèrement peur. On va dire que je suis assez stressé par rapport à l'aurore boréale. C'est notre première aurore boréale pour cette survie. La première qu'on a. Il va faire jour dans pas très longtemps, donc ça devrait bien se passer, mais c'est quand même assez dangereux. On va passer par ce chemin. Aussi, une chose importante par rapport à la scie, c'est qu'on va pouvoir maintenant découper les bois qu'on peut trouver, donc pour faire un arc, pour faire des choses comme ça. Donc ça, c'est très important aussi. Donc ça, c'est bien. Et à un moment, pas maintenant, parce que maintenant on est un peu en galère, donc faut pas perdre de temps pour rien. Mais à un moment ou à un autre, va falloir aussi qu'on aille en récupérer, genre pour des flèches, pour l'arc, pour etc, etc. Pour récupérer des trucs comme ça, des petits bois là, les bois à couper, à scier. Ah, je sais qu'il fait froid. Ouh, en face. Regardez-moi en face. En face, je crois que... Il y a... Ouais, ça, c'est des bois à scier.
Je vais pas le faire maintenant, je vais pas le récupérer maintenant parce qu'on a franchement très peu de temps avant qu'on crève. Et là on va crever si on perd du temps. Donc on va pas le faire maintenant. Mais on peut. Mais voilà, il y en a déjà là. C'est ça, c'est bon signe, c'est très très bon signe. Ça c'est très bon signe. Aussi si jamais on perd trop de vie, qu'on est en train de mourir, qu'on est mourant, on peut toujours s'injecter la dose d'adrénaline qu'on a récupérée dans la mine. Ça c'est important. Ça va nous permettre de sprinter, etc. De faire plein de trucs pendant genre 30 secondes je crois, ou une minute. Et après on va être complètement épuisé. Ça c'est très important, faut le savoir. On va être complètement épuisé. Je crois que c'est par là le chemin. Et on va devoir dormir. Ah, la tour, elle est là. Ah, parfait, parfait, parfait. On va se reposer à la tour. Ça va être notre petite base pour le moment. Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment de nourriture. Et ça, ça m'inquiète, en fait. On a de quoi faire un feu. Il n'y a pas de... Une carcage, j'en sais rien, un truc, des... J'entends des corbeaux, mais j'en vois pas. On a des baies, ça on les prend, parce que ça nous fait de la nourriture. La corde, on peut la mettre ici. On a qu'à la mettre. On descendra au pire, ça nous aidera à monter, à descendre. Je sais pas si c'était une bonne idée parce que... Oh la vache! Là on est en train de crever, putain. Là je joue complètement avec le feu. C'est vraiment pas bon. J'espère qu'il va faire chaud à l'intérieur parce que sinon on est mort. Ou alors on fait un feu mais... Oh yes! Oh! Merci. Faut toujours qu'on mange par contre. Il n'y a rien d'autre. Fou, ça y est. On va pouvoir survivre. Oh la vache. On va pouvoir survivre. C'est bon ça. J'ai mis la corde. Je pense qu'on va peut-être même pas l'utiliser en fait au final. On va peut-être passer par... Parce qu'en fait on est trop en kilos. Mais bon, c'est pas une perte vraiment parce que cette corde est utile. Cette corde est utile donc... Donc à la limite c'est pas très très grave. I could eat a horse. I can eat a horse. Ouh la vache. Pff. Mais ce qui est bien, enfin après on a des bons vêtements. J'allais dire en fait que cette cabane elle est bien parce qu'elle protège. C'est vrai qu'elle est très très bien. Et qu'elle protège énormément. Mais c'est vrai qu'on a des bons vêtements aussi. Donc je sais pas après si vous commencez avec rien du tout. Est-ce que vous serez vraiment protégé? J'en sais rien mais... En tout cas, voilà. Bon, le problème, c'est qu'on a trop sur nous. On a trop sur nous et il y a une tempête. Bon, par contre, on est en... Oh, oh mon dieu, ça c'est bien, ça c'est bien. Les pierres aiguisées, c'est très très important une fois que vous aurez vos outils. Franchement, gardez-les de côté, prenez-les même si vous en avez 30 000. Prenez-les parce que les outils, si vous les détruisez, si vous pouvez plus les aiguiser en fait, c'est mort. Il va falloir en recréer des nouveaux. Donc, je pense qu'il y a des vêtements, je vais les laisser par terre parce que ça prend du poids en fait.
À la limite, on se... Attendez. On se rappellera qu'on a des vêtements ici. On va le faire joliment comme ça. Genre... casquette, on l'a mis là. Ok, on est à 37. Franchement, ça nous prenait 3 kilos, hein, toutes ces merdes. Hein. C'est pas rien. Hein. C'est vraiment pas rien. Ok, ce que je vais commencer à boire par contre, c'est ça, je pense. Parce que ça va nous donner des calories. Bon. Moins 40! Ah ouais! Putain, mais est-ce que j'ai le temps de ramasser quelques trucs quand même? Oh la vache. Ok, Madame Nature, elle s'est dit... Ah! Toi, t'as survécu trop longtemps, toi. Oh! Toi, tu vas te prendre un putain de blizzard. Ça va être mémorable. Ben, je crois que voilà, c'est elle s'est énervée. Oh, il y a un truc, là. Je sais pas si ça sert vraiment à les toucher, mais... Touchez-les, ça porte bonheur. Ouais, ça sert strictement à rien. Parce qu'en fait, le truc que je fais là, le problème que je fais, c'est que j'ai, c'est que je perds de la vie, tout simplement. Voilà. Donc là, entre le froid et la faim, je perds trop de vie. Ça sert strictement à rien. Je vais juste faire le tour de la petite baraque, mais normalement, il n'y a rien. J'ai jamais rien trouvé autour. Ça m'embête parce que là on perd du temps en fait. Je crois que c'est l'heure de l'histoire. Note abandonnée, je crois que c'est celle-là. La plus violente des tempêtes commence toujours et finit toujours par un soupir. Un soupir. Ah, le mec il est parti à la... Il paddling, c'est... avec des pagaies là, il est sur un bateau en fait, il est parti dans le à l'eau. Ces lumières ne devraient pas être dans le ciel. C'est une danse, je sais pas. C'est notre destinée de survivre apparemment. Ok, on va essayer. Hein. Qu'est-ce que je te dise, mec? Le problème, c'est qu'on peut pas. On peut pas. Ça, c'est embêtant. En fait, quand il y a une tempête comme ça, quand il y a un blizzard, on peut rien faire. On peut lire. C'est pas vraiment intéressant de lire. Et voilà. Voilà, c'est ce qui se passe, donc c'est pas très très intéressant.
On va voir si on peut pas crafter quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte aujourd'hui, tu vois? Je vous raconte ma vie. Ce qui se passe dans ma vie. C'est pas très intéressant en ce moment. On va perdre du temps. Waouh. Ah, ça c'est bien parce que c'est vrai que maintenant on a le combustible pour la lampe, donc on peut fabriquer des choix de l'outil sans outil. On peut fabriquer des torches. Donc ça c'est des torches. Oh, merci Madame Nature. Je te revaudrai ça. Ça c'est des torches qui sont à 100% de torches. Et on est à combien de kilos? 37. Yes. Bon, par contre, c'était... On est à moins 20, ça va. C'était bête, en fait, de sortir pendant la tempête, parce que... En fait, je suis pas au maximum à la... par rapport à ma température. Bon, on est à 37 kg, donc c'est impossible de prendre la corde. Donc, ce qu'on va faire, on va le faire à l'ancienne. T'es prêt, Thérèse? Thérèse, t'es prête? Parce qu'on va y aller, là. Là, ça va être... ça va être très dangereux, par contre. Alors, est-ce qu'on y va de ce côté ou pas? Je crois que c'est trop tard, en fait. on peut plus remonter, c'est fini. Donc là, Thorès, c'est tu le fais ou tu crèves, quoi. Donc bon, t'as pas trop le choix. Oh mon dieu, oh la vache. La corde, elle est là. Ouais, ouais. Oh mon dieu, je crois que ça, c'est pas bon. Ça, par contre, ne jamais essayer de descendre le côté de la corde, parce que le côté de la corde est fait exprès pour que vous preniez la corde, ce qui est logique, hein, on est d'accord. Hein. Donc ça va être très pentu, vous n'allez pas pouvoir vous accrocher. Donc éloignez-vous du côté où c'est qu'il y a la corde, comme ça vous rencontrez des roches qui sont en pente, mais qui sont faisables. Voilà. Hop là. Sans la corde. C'est pas beau, ça. Alors on a une autre corde ici, mais on va pas le faire. Enfin, on peut pas... Yes. Je sais pas ce que c'est. Je sais plus. À chaque fois, je les confonds, les trucs, les bouts de bois. Donc, je sais pas si c'est pour faire des flèches ou faire un arc. Mais en tout cas, on en a un, ce qui est pas mal. Fais voir le kilo. 38, ça va. On peut se permettre encore. Faut qu'on puisse sprinter, en fait. Là, ok, on va faire exactement la même chose. J'ai peur à chaque fois. À droite, il y a la corde. Donc, on va éviter d'aller à droite. Oh putain de merde. Oh la vache, oh la vache. Il y a la maison en bas. On va pouvoir. On peut y dormir. On peut y dormir. Si je me rappelle bien, on peut y dormir. Donc, on est tranquille. On va passer par là. Oula, oula, oula. Oh mon dieu, je crois que c'était une mauvaise idée. Putain. Je devrais faire une vidéo tutoriel. Comment escalader sans outils dans The Long Dark. Parce que franchement, je deviens un pro à ça, je pense. J'espère qu'ils ne le changeront jamais. Parce que dans un sens, c'est fun de le faire. C'est super risqué. En parlant de risqué. Ouais, bon, là par contre, c'est... Oh. Ok, là c'est trop pentu. Là c'est gauche-droite. Oh, c'est bon, on est bon. Oh. Ok, là c'était méga dangereux par contre, je le conseille pas. Ouh la vache. C'était méga pentu. Ah, je devrais faire un tutoriel. Comment escalader des montagnes. Enfin, non, peut-être pas escalader, mais en tout cas descendre des montagnes. Ce serait bien qu'il y ait un moyen d'escalader. Ah, j'aimerais bien, moi. Bon, ben. Connard, le mec. Pas partagé comme ça. Elle a toujours pas froid. Putain, il doit faire bon à l'extérieur en fait. Des livres, des piles de papier. J'ai tendance à les laisser, moi, les papiers et tout ça, parce que franchement, on va pas en avoir besoin. Papier et livres, on en a vraiment pas besoin. Donc je les prends plus. Surtout qu'on a des têtes de massettes en fait. Si on a vraiment besoin de faire du feu, on peut utiliser ça.
Et à un moment ou à un autre, si on survit assez longtemps et qu'on fait beaucoup de feu, on va plus avoir besoin d'allume-feu en fait. Donc tout ce qui est tête de massette, fagotin, etc., on n'en aura plus besoin. Donc ça prendra de la place pour rien. Surtout que j'en ai déjà des livres sur moi, donc... Bon, ça a l'air d'être un très beau temps. Je pense qu'on va pouvoir plus ou moins sprinter jusqu'à notre base, je dirais. Je crois qu'il y a des lapins. J'ai cru voir un truc qui bougeait dans la neige. Je pense que c'est un lapin. Si on peut récupérer un lapin, on va faire du feu. Non, c'est non. Je pense qu'on prendra... On fera le lapin. Oh, y a pas un peu à bouffer. Un tout petit peu, franchement. Un tout petit peu à manger. Putain. Parce que je veux pas taper dans ça. J'en ai encore 2. C'est pas énorme. Enfin, 12, mais je veux garder 10 de côté. Lapin. Lapin. Quel con. Je l'ai ? Ouais, je l'ai. Je lui ai balancé une pierre pendant qu'il était... Il était tombé par terre. On va faire du feu et on va faire à manger. Désolé, lapin, je sais. T'inquiète pas que si je pouvais éviter ça. T'inquiète pas que je le ferai. Hein. Alors, c'est celle-là, là. La maison où c'est qu'on peut dormir. Alors avant de créer un feu, quoique en fait on a du beau temps. Non, avant de créer un feu, on va dépecer d'abord. On va prendre ça. Ah, on le fait à la chaleur, c'est bien. Après on va faire un feu et on va les cuire, je pense. Ou alors on le fait plus tard le feu, je sais pas. En fait, il nous reste beaucoup de chemin quand même, hein. Je veux pas dire, mais... Oh merde. Merde, il fait nuit, on peut pas... Parce qu'en fait, j'avais dans l'idée d'utiliser la loupe. J'avais en tête d'utiliser la loupe. Ah putain. J'ai pas vu qu'il faisait aussi tard. Oh merde. Là on est baisé là. Oups, excusez-moi, je n'aime pas parler comme ça, mais là, ça m'en fait un peu chier. Faut qu'on dorme. Oh, à la limite, on n'a pas besoin de dormir. Quoique. Qu'est-ce qu'on va faire? Ok, j'ai une idée. On est à 41 kg. On va manger 2 massettes. On va boire. Parce que je veux pas encore taper dans les réserves médicinales. Parce que les trucs médicinales, c'est quand même très rare. Donc j'ai pas envie de taper là-dedans. Et ce qu'on va faire, on va manger ça. On va en manger 2. On va boire. Ça va nous descendre en dessous de 30 kg. En dessous de 40 kg. Comme ça, on va pouvoir sprinter. On va dormir 2 heures, on va partir pendant la nuit. On va faire ça. On va dormir 2 ou 3 heures. On va voir combien on peut faire avec 300 calories. Parfait.